La Pologne installe depuis ce mercredi des barrières en barbelé à sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Varsovie soupçonne la Russie de vouloir faire passer des migrants par cette frontière pour déstabiliser le pays. En 2021, déjà, la Pologne avait fait face à une vague migratoire à sa frontière avec le Bélarus, vraisemblablement orchestrée par Minsk, allié de Moscou. J'ai la conviction que c'était un plan écrit au Kremlin pour déstabiliser la Pologne et nous empêcher de soutenir l'Ukraine. D'abord, ils voulaient déstabiliser la Pologne, puis ils ont attaqué l'Ukraine. Les soldats polonais ont une bonne expérience. Ils ont défendu la frontière polono-bélarusse. Je suis convaincu qu'ils défendront aussi notre frontière du côté de la région de Kaliningrad. Le ministre polonais de la Défense voit d'un mauvais œil la décision de la Russie de lancer des vols depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient vers Kaliningrad. Lors de la vague migratoire de 2021, des milliers de demandeurs d'asile, principalement issus du Moyen-Orient, s'étaient retrouvés coincés entre le Bélarus et la Pologne sous des températures parfois glaciales. Varsovie avait fait installer cette barrière sur 180 km.